Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui et je dois bien vous avouer que je suis mais très en retard. J'en suis désolée pour mes produits terminés du mois d'octobre. Donc j'ai tout mis là-dedans. Il ne doit pas y avoir grand-chose ce mois-ci, je pense, mais voilà. Donc on va commencer de suite, hein, évidemment. Alors, j'ai terminé. C'est des lots de patch pour les yeux, contour de l'œil au concombre de chez Action. Voilà, oui, ils sont très bien. Hein. Bon, après, ils font pas des miracles, hein. Ne rêvons pas, mais franchement, ils sont très bien. Donc, est-ce que je les rachèterai? Oui. Ensuite, alors, combien j'en ai là? Purée. Bon, j'en ai trouvé que 3, donc j'ai dû en utiliser que 3 ce mois-ci. Il s'agit de mon savon liquide le petit Marseillais à l'huile d'olive. Voilà, donc moi j'achète les éco-recharges. Faites pas gaffe à mes ongles, hein. Je suis en plein montage de meubles, donc voilà. J'achète les éco-recharges, pardon, je remplis le pousse-pousse et puis voilà. Donc là j'en ai 3. Ensuite, ah oui, si j'avais reçu donc l'échantillon de chez Aqua Allegoria, le Neroli Vétiver, donc c'est de chez Guerlain. Voilà. Alors, j'étais un peu déçue parce qu'il était quasiment pas rempli. J'ai pu en mettre qu'une fois. Et bon, il est pas mal, mais je l'achèterai pas celui-ci. C'est pas mon préféré de chez Guerlain. Mon préféré, c'est le Nectar del Sol. Celui-ci est pas mal, mais non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, on passe du coq à l'âne, hein, je vous préviens. Alors, j'ai terminé un gel douche donc de chez Labelle. Voilà, c'est un lait de douche hydratation intense. Il nourrit, c'est celui avec le bouchon bleu. Alors, il est pas mal, mais je préfère celui avec le bouchon jaune. Maintenant, est-ce que je le rachèterai? Pourquoi pas? Après tout, c'est un gel douche, ça lave. Ensuite, ah oui, alors ça, je voulais le racheter uniquement pour sentir l'odeur de quand Inès était petite, parce que je lui achetais, et je trouve qu'ils ont changé les composants. Il y a une arrière-odeur qui n'est pas terrible. Il s'agit tout simplement du shampoing très doux mix à bébé, mais moi je l'utilisais en gel douche. Voilà. Hop, vous voyez, il est bien vide. Est-ce que je le rachèterais? Non. Il m'a déçu. Ça me. Non. Ensuite. Ah oui, si j'ai terminé, on repasse au parfum. Décidément, cette vidéo va être complètement décousue. Il s'agit de l'Interdit, donc le nouveau, de chez Givenchy. Voilà. Que pas mal, mais c'est pas mon truc. Donc, est-ce que je le rachèterais? Non. Ensuite, ma Beverly, j'ai terminé un échantillon. C'est le Curl Manifesto de chez Kérastase, qui est anciennement le Oléo Curl, qui est génial. C'est une crème de jour fondamentale. C'est une crème de jour en fait que vous mettez sur cheveux légèrement humides. On le met sur les pointes et longueurs et on froisse pour que les boucles se redessinent. Ce produit est magique, mais il coûte un bras et deux jambes. Est-ce que je le rachèterais? Ben pourquoi pas. C'est ma coiffeuse qui m'avait filé l'échantillon. Bon, moi j'aime bien ce produit, mais après voilà. Ensuite, ma doudou d'amour a terminé, toujours de chez Labelle, le gel douche Barbe à Papa. Voilà, elle en a un autre sous la douche. Oh, j'arrive plus à parler. Voilà, donc est-ce que je le rachèterai? Bah évidemment, je l'ai déjà racheté. Ensuite. Alors attendez, on va faire les échantillons d'abord. J'ai terminé, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez L'Oréal. Il s'agit du masque sérum pour les yeux rafraîchissant, le Revitalift Filer avec de l'acide hyaluronique. Voilà. Est-ce que je l'ai bien aimé? Ouais, il est pas mal. Est-ce que je le rachèterais? Pas spécialement, mais non, franchement, il est pas mal. Ça va. Ensuite. Alors, ensuite, j'ai terminé de chez Corrèze. C'est une crème nettoyante moussante pour le visage en 40 ml que nous avions reçue, il me semble, dans la Blissime. Voilà. Bon, ça va, il est pas mal. L'odeur, elle est pas de ouf. Hein. Est-ce que je le rachèterais? Non. Il nettoie, mais d'autres font bien leur job aussi. Et voilà. Ensuite, ma puce a terminé de chez Aven. Le Clinance
Comédomède. C'est un concentré anti-imperfection. Voilà, elle l'a enfin terminé. Est-ce qu'on la rachètera pas du tout parce qu'il lui a séché la peau, il lui faisait des plaques sèches et ça la démangeait. Donc, ça n'est assurément pas fait pour elle. Ensuite, je l'avais filé à ma fille aussi, elle l'a adoré, de chez Innisfree. C'est la crème gel éclat au cerisier à fleur de Jeju. Voilà. Donc, si tu elle la mettais en crème de jour, hein. Donc, elle a bien terminé. Elle est pas mal. Elle l'a bien aimée. Ça lui donnait pas de boutons. Elle avait la peau toute douce. Donc, ouais, c'est pas mal. Est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas. On verra. Ensuite, alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous montrer? Ma puce a également terminé le Brazilian Keratin Smoothing. Donc, c'est une protection contre la chaleur de chez Beaver. Voilà, qui sentait très bon, ceci étant. Toujours pareil dans la Blissime, il me semble. Ils sont super bons, clairement. Oh, ils sont trop bons. Bon, en fait, pas gaffe, je suis pas maquillée, rien. J'avais pas envie. Tout simplement, vous me connaissez maintenant. Ouais, il est pas mal. Est-ce qu'on le rachètera? Non, moi là j'ai le nectar thermique de chez Kérastase. Ma puce se sèche très rarement les cheveux. Voilà, tout simplement. Donc, bon, c'était juste pour l'odeur hein, qu'elle l'a voulu. Mais sinon, non, ça va, ils sont bons, hein, franchement. Ensuite, les parfums, on va les faire après. Toujours dans les cheveux. Alors, cette huile, elle l'adore. Elle rend les cheveux doux. Elle les nourrit. Mais il ne faut pas les mettre sur les racines. Moi, je les mettais sur les longueurs et pointes. Ouais, j'ai les cheveux là. Bon, demain matin et demain soir, je vais à l'aquagym. Oui, j'y vais 2 fois par jour. Je suis une dingue, moi. Moi, quand il s'agit de sport, je suis une ouf, ok? Donc voilà, donc j'y vais. Donc pas bien la peine de les relaver aujourd'hui. Donc ils sont pas sales, mais ils ont pas de tenue, ils ont que dalle. Là, ils ont pas envie. Ils m'ont dit, commence pas à me gonfler ces dimanches. Donc voilà. Donc là, c'est le soin sublimateur universel pour cheveux secs de chez L'Oréal Paris. Elsève, c'est l'huile extraordinaire. Voilà. Et là. C'est pour les cheveux fins. J'avais pris pour cheveux fins. J'ai les cheveux fins. Est-ce que je la rachèterai? Oui. Un petit message à Intermarché et à Carrefour Market. Elle est plus en stock depuis plus d'un mois. Donc, au boulot, les gars. Mais oui, bien sûr. J'attends juste qu'ils la remettent en rayon. C'est tout. Ensuite, touc, touc, touc. Ensuite, on va passer par les parfums. J'avais terminé un vieux parfum, enfin il reste en fond, mais clairement, c'est le Rosa de chez Sudenly. C'est un parfum, vous savez, les parfums de chez Lidl, là, celui-ci c'est Rosa, la vie est belle. Voilà, il est pas trop mal. Je teste des parfums pas très chers pour les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter un parfum à 100 balles, clairement. Celui-ci coûte, bien sûr, Carole, il coûte moins de 5 euros. Donc pour les personnes qui ont une petite bourse, au pire, vous le mettez dans votre sac ou vous remplissez un petit vapeau de sac et puis vous vous en remettez au long de la journée. Et voilà, par contre, je ne sais pas ce qui a coulé, c'est dégueulasse. Voilà, après, ça dépanne. Mais non, il est pas mal, mais c'est pas non plus. Il tient pas sur moi, en tout cas. Ensuite, et là, je vais vous parler d'un truc. C'est une découverte magnifique. C'est mon parfum d'amour. Donc, il s'agit tout simplement du Red Tentation de chez Zara. On porte bien son nom, croyez-moi. La tentation est là, ça glisse. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dessus. Donc, en fait, c'est tout simplement le dupe du parfum Baccarat Rouge, parfum à 280 euros. Là, les, je crois que c'est 50. Ah non, les 30 ml, je l'ai payé 12,95 € chez Zara. Donc, autant vous dire que dès que je retourne chez Zara, je vais carrément aller me prendre le 100 ml. Parce que là, franchement, celui-ci, il envoie du lourd. C'est une tuerie, ce parfum. J'en suis, mais dingue. Franchement, je suis dégoûtée d'avoir terminé. Oh, mais c'est. Il est. En fait. Un parfum, il se doit d'être comme vous êtes vous. Et ça, c'est un parfum de caractère. Il est très sensuel et il a énormément de caractère. Donc, il me correspond tout à fait. Donc, est-ce que je vais le racheter? Je pense même faire une commande chez Zara parce que le temps que j'y aille, à mon avis, voilà. Donc, je pense que je vais commander sur Zara.
On passera par Egrad. Ensuite, on a fini avec les parfums. Ensuite, bon, bah, j'avais pris Zéo. Il est pas mal du tout. Ils n'avaient plus mon Nivea bleu. J'ai le nez qui me chatouille. Je suis désolée. Je suis allergique à la poussière. Vous le savez. Donc, c'est le Dove Original, tout simplement, en spray. Hein, voilà. Donc, est-ce que je vais le racheter? Oui, pourquoi pas. J'aime bien le Dove aussi. J'alterne beaucoup. Oh là là. Cheveux frisés, bonjour. C'est la merde. Ensuite, allez, blague à part. Ma doudou a terminé son signal intégral 8 à la noix de coco. Voilà, tout simplement, comme d'hab, hein, toutes les personnes qui ont des enfants ou des grands, qui ne supportent pas tout ce qui est mentholé, chloré, fluoré, tout ça, tout ça. N'hésitez pas, le signal coco, il est franchement top. Moi, au moins, elle se lave les dents, ça la gêne pas, ça la brûle pas, elle se plaint pas. Donc, est-ce que je vais le racheter? Oui, elle en a un tout neuf dans son pot et je vais retourner lui en racheter un d'avance. Ensuite, j'ai terminé mon indispensable, hein, mon White Note Detox à la coco de chez Signal. À l'endroit, c'est mieux? Peut-être. Peut-être, peut-être pas. Maybe, maybe no. Donc, est-ce que je vais le racheter? Oh, j'ai un chat dans la gorge. Pardon. Oui, je l'ai racheté. Et je vais faire du backup parce que dans mon Carouf, ils sont censés faire une grosse promo. Sauf qu'ils ont mis celui au charbon, mais pas celui à la coco. Donc, j'attends avec impatience avant que la promo passe. Mais sinon, c'est mon indémodable. Ensuite, alors ensuite, on va parler... Ah bah non. Qu'est-ce que je dis, moi? Oh, j'avais pas vu. Donc, j'ai eu également l'huile originale Kérastase en échantillon. Je passe vite fait. Hein. Voilà, elle est pas mal, mais franchement, je préfère celle-ci. Ensuite, j'ai terminé le gommage visage. Ah bah d'accord. Je viens de me rendre compte que c'est un gommage visage. Moi, je m'en suis servi pour le corps. Ça va bien se passer. De chez Freshea, donc il est à l'extrait d'abricot, il exfolie et purifie. Bon, moi, c'était pour me gommer le corps, hein, clairement. Voilà. Est-ce que je le rachèterai? Ouais, oh. Ça m'a pas non plus... Waouh. Donc, je pense pas. Ensuite... Alors, nous en avons terminé avec les produits de beauté, tout ça. Donc là, je vais vous montrer des compléments alimentaires. C'est pas trop le but de ma chaîne, mais je me suis dit pourquoi pas. Donc, il me fallait... Enfin, j'avais un énorme coup de fatigue. Donc, j'ai voulu tester le magnésium marin vitamine B6 de chez Juvamine. Bon, il est pas mal, mais je le rachèterai pas. Voilà, tout simplement. Ensuite, toujours de chez Juvamine. J'ai voulu tester le sommeil mélatonine au spray buccal. Donc, j'aime bien la mélatonine pour m'aider à dormir le soir. Là, franchement, passez votre chemin. Je sais... Non, il en reste encore. Je peux pas. Il est mais dégueulasse. Mais franchement, à vomir. C'est le rat mort à côté, c'est rien. Pour celles qui savent. Voilà. Ça ressemble à ça. Et honnêtement, je suis hyper déçue. Il est dégueulasse. Donc, passez votre chemin. Parce que, alors, franchement, si vous avez envie de vomir le soir, allez-y. Hein. Mais non, moi, j'ai pas envie. Donc, voilà. Et du coup, j'étais repassée à Forte Pharma, le Forte Nuit, Mélatonine Spray, 1900, bla, 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 bla. Il est pas mal, mais je pense qu'il va me falloir une dose au-dessus. Parce que là, clairement, à la fin, il me faisait même plus effet. Voilà. Et pour terminer, là, on passe carrément du coq à l'âne, hein. Moi et mes ânes, il faut que j'arrête avec mes ânes. Oh, mon Dieu. Pour la petite anecdote, il y a un jeune homme qui m'a dit « Ouais, mais je suis un âne. » Et comme une con, je lui ai dit « Mais moi, j'adore les ânes. » C'est moi tout craché, ça. Enfin bref, mais bon, j'adore les ânes quand même. C'est une bougie parfumée. C'est la maison lait parfumée. Donc, c'est la collection classique nuage de coton. Bon, il y avait le petit pompon, mais je ne sais plus où je l'ai foutu. De chez Maison du Monde. Alors, ça, pour un chiotte, clairement, vous pouvez y aller. Oh, ça pue maintenant. Je l'ai creusé à fond, mais c'est pour le faire fondre en cire. Mais je ne le rachèterai pas parce que, clairement, bah, il fait que dalle, en fait. Hein. Il sent très bon, mais il faut avoir le nez dessus. Donc, ben non, moi, j'aime bien quand je rentre chez moi, avoir l'odeur qui va avec. Donc, non, je ne le rachèterai pas.
Et pour terminer, j'avais acheté de chez Atmosfera. Il est tout dégueulasse. Bon, c'est pas grave. Au bois de santal, alors ça, c'est mes odeurs. Bon, je vais pas l'ouvrir, mais il sent mais tellement bon. Mais même dans une salle de bain de 6 mètres carrés, il fait pas son taf, quoi. C'est dommage. Il y avait les bâtons avec. C'est un diffuseur. Il est beau en plus. Et oui, bleu Beverly. Beverly, Beverly. Beverly. Il est tout bleu. Ouais, non, je le rachèterai pas. Il m'a déçu. Franchement, il m'a trop déçu. Il sent super bon, mais alors, même dans 6 mètres carrés, ça ne matchait pas. Donc, moi, j'aime que ça sente de partout. Voilà, donc, bah non, je ne le rachèterai pas. Bon, bah, écoutez, hein, c'était déjà pas mal. J'ai envie de vous dire, j'ai déjà pas mal de choses de côté pour fin novembre. En espérant ne pas traîner, n'est-ce pas? Parce que, comment vous dire, je me suis légèrement plantée. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. On s'abonne, on like et on commente. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Allez, passez une bonne journée, bonne semaine à vous. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, merci.